Alors là, tic-tac, vous avez encore franchi un cap. J'en ai rien fait, madame. Non, mais moi, je sais même pas pourquoi on est encore là. Si je vous dis feu d'artifice, ça vous fait penser à quoi? Maman, le 14 juillet? Ouais, ou le jour de l'an. Ben loupé, moi, je parle de celui que vous avez organisé à l'école. Eh ouais, j'en ai rien organisé, nous. Faire péter des feux d'artifice dans la voiture de votre professeur, mais vraiment, c'est irresponsable. Ses cheveux commençaient à prendre feu, heureusement, un surveillant passé par là, il a aidé. Non, mais Moriani, je t'avais dit, c'était trop dangereux. C'est toi, toi. Oui, ça craint, madame, mais c'est pas nous, ça, ce que vous dites, c'est pas nous. Là, pour votre prof, on est plus du tout sur un prank, on est sur une tentative de meurtre. Oh, vous allez loin, là, madame, oh. Et pareil, le feu d'artifice collé à la ceinture d'Augustin, c'est pas vous? Non, ça me parle pas. Le pauvre gamin hurlait en courant pendant que le feu d'artifice pétait, on aurait dit, ça sortait de son postérieur. Sur ma mort, c'était énorme. Et il va bien? Il a la moitié du postérieur brûlé au troisième degré. Ah ouais, chaud. C'est le cas de le dire, ouais. De toute façon, madame, bref, vous avez zéro preuve contre nous. Ah, sûrement, Yanis, il a raison. Ah ouais, Yanis, pour allumer le feu d'artifice, faut du feu. Ouais, ouais, je sais, et... José a demandé des allumettes à toutes les femmes de la cantine, elles me l'ont dit. Maman, les balances. Sérieux, José? Vous êtes viré une semaine chacun, tic-tac. Mon père, il va me tuer. Non, mais moi, tranquille, on va pouvoir se reposer. Se repose.